Alors, c'est un peu spécial pour vous annoncer ça, mais... disons que je suis plutôt bien éclairé aujourd'hui. Je fais partie de la force de Star Wars maintenant, regardez. C'est bien ou pas? Je vais dégommer des gens. Abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube, sinon je vous encule avec mon... Comment ça s'appelle déjà? J'ai toujours pas d'intro, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une vidéo... spécial. Bon, vous l'aurez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais essayer de dessiner avec une table graphique. Je vais pas vous mentir, j'ai juste dessiné 2-3 fois avec cette table graphique, mais un peu what the fuck. Mais je suis pas vraiment dit si, grâce à cette table graphique, je me décidais de dessiner comme il faut, enfin, dessiner vraiment. Parce que bah les seuls moments où je dessine vraiment, en fait, c'est dans un putain de cahier. Donc voilà, je viens juste de brancher ma table graphique et je viens d'allumer Photoshop. Donc ce qui va nous permettre en fait au final de dessiner. Ce qu'on va faire durant cette vidéo, c'est qu'il y aura deux parties. Non pas quatre, mais deux parties hein. Je me suis pété le bras, ça y a pas de problème, ok. C'est juste un désavantage pour moi. Donc si mes dessins sont de mauvaise qualité, c'est pas ma faute, c'est parce que mon bras j'ai eu mal. Une première partie en fait où je suis sur Photoshop et j'essaie de dessiner, et la deuxième partie j'irai en vox sur Discord avec un pote que totalement au hasard en fait, pour être honnête. Là je règle la vidéo mais je sais pas du tout qui prendre, donc on verra bien ça, qui est connecté, qui a envie de participer entre guillemets à la vidéo, et on ira sur Scribble.io, un jeu.io que j'y vais très souvent, et donc on ira s'affronter tous les deux là-bas. Et puis... bon, allez, sérieusement, ça, c'est à peu près la tête. On la dessine comme il faut. Enfin, comme il faut. Et il s'est mangé une tonche, le mec, très bien. J'ai pas envie de me taper. Ça va, c'est plutôt une coiffure digne de ce nom, tu vois, genre... qu'est-ce que je sais pas dessiner, putain de merde. Bon, on a à peu près la tête. Je sais même pas si, tu sais, genre, la coiffure, genre, tu l'as fait dans ton brouillon. Je sais pas en vrai si je me dessine moi, en fait, au final, tu vois, genre mon chibi. Mais, ouais, vas-y. On essaye de faire un truc comme ça. Ça va, en vrai, ça donne un truc plutôt cool. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on... Bon, tu sais quoi, c'est bon, c'est un brouillon, merde, hein, fais pas chier. Bien, allez, on recommence, parce que on est bien, c'est bien dessiné et tout, tu vois, non. Vas-y, tu sais quoi, on va dessiner Pikachu. Ouais, je sais, c'est peut-être la base des dessins à chaque fois, mais en vrai, Pikachu serait bien, genre, comme essayer, tu sais, genre, voilà. On va dessiner Pikachu. En vrai, ça va, il a l'air plutôt bien comme ça. Je pense qu'il va être facile... Putain, on dirait une patate. Je pense que vous aurez une image à côté de Pikachu à quoi il ressemble. Voilà, c'est une tête à proximité d'un Pikachu. Faire d'un seul trait. On va dessiner son pied. J'espère que vous aimez cette vidéo, hein, que vous passez un très bon... que vous passez un très bon moment. Oh mon dieu. Si jamais par exemple vous aimez bien cette vidéo et que bah tout simplement je réagisse à vos dessins, parce qu'en fait ce que je... si vous voulez en fait tout simplement c'est que vous de votre côté vous fassiez genre... faisiez pardon. Vous faites un rec et dans votre rec, dans votre titre il y a marqué hashtag défi Pixar. Entre toi, celui qui me regarde et moi, quel est le meilleur Pikachu entre nous deux? Attention, hein, parce que faut rajouter entre parenthèses avec quoi tu dessines, avec une souris ou ta belle graphique. Genre un hashtag défi Pixar, hashtag défi Pixar Pikachu. Enfin, le Pikachu il est pas dans l'hashtag, ok. De toute façon, vous aurez l'hashtag là. Donc vous me cassez pas les couilles, ok. Thank you.
Eh, franchement, il est bien mon Pikachu. Attendez. C'est quoi, je vais mettre moi-même la couleur. Ça va être long. Voici Pikachu! Bienvenue sur la partie 2 de cette vidéo. Donc nous a... Ouah, putain, mes intros deviennent de plus en plus merdiques, je pense. Donc, je suis passé au step 2. J'ai mis une caméra plutôt d'un côté très facial afin de... afin d'être bien éclairé. Oh oui, la faciale. Afin d'être bien éclairé, tu vois, pour avoir un bon petit décor, voilà, comme ça, parce que voilà, je commence à détester mon décor. On est le lendemain de la vidéo, de la première partie. En tant que grand dessinateur professionnel, tu vois, y a quelqu'un qui me défie là. On va jouer sur Scribble.io. War m'a défié. Qui c'est qui dessine le mur en fait, tout simplement. Et n'oubliez pas qu'il y a le hashtag DefiPixStore où tout simplement vous faites le meilleur Pikachu entre mon Pikachu d'élite et votre Pikachu de votre côté. Voilà, bref, perdons pas plus de temps. Je suis avec War. Comment tu vas, War? Ok, c'est bon, nous allons commencer Ronde avec 1. Wilfried PD et Pique ce tort. Bah, du temps, on fait au fromage. Ça commence par un M, comme maman. Pourquoi je dessine une banane? Donc la plupart du temps, on les fait au fromage. Bah ouais, genre c'est comme les macarons. Macarons. Ah, c'est un macaron? Non, putain! Regarde la lettre en plein milieu, en jaune. Non, c'est plus droit. C'est un intérieur comme ça. C'est un I. Voilà. Vroom. Je crois que ça, c'est pas logique, ça. Non, je me fais chier. C'est le macaroni au fromage. Ah, macaroni au fromage. Merde. Non, c'est juste macaroni, mon gars. Oh, putain, je sais quoi prendre. On va prendre ceci. Alors, c'est simple. Ok, c'est une pile. Non, c'est un casque vert. C'est où? Vraiment bien. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est quelque chose d'assez particulier, tu vois. Qui se dessine assez facilement, tu vois, au final. Nous avons quelque chose là. C'est un con, c'est un handicapé, c'est un champignon, c'est un caca. Mais t'es un con en fait. Méchant bonhomme. T'es au courant que tous les trucs que tu dis là, je vais devoir les couper, espèce de bâtard de merde? Bah, tu sais, ça a rapport avec un chanteur. Daniel Balavoine. C'est quelqu'un qui chante et c'est une dame. Donc, en logique, c'est sûrement une femme. Donc, Daniel Balavoine. Non, allez, non, c'est bon, je trouverai pas. Donne-moi le mot. Ciao. Faut que j'augmente le loyer de mes locataires. Change de lambeau, cette fois dans l'année. Ça me fait mal au dos, l'important c'est la santé. J'partirais loin, si seulement je pouvais. Et y'a plus de kérosène dans le jet privé. Chienne de